Poché de Florence Sévos et Claude Ponty, publié à l'École des loisirs, est d'abord un charmant petit objet, un cadeau tout à fait recommandé pour les jeunes lecteurs. Dans un coffret relié de toile bleue, deux petits volumes d'un format presque carré, le roman illustré lui-même et sa version sonore racontée sur disque compact. C'est une histoire de tortue qui ne manque pas de subtilité. Poché et son ami Pousse vivaient dans une bonne intelligence que brise la mort accidentelle de ce dernier et à laquelle Poché ne se résout pas. Elle s'écrit des lettres signées Pousse, puis se remet en chemin. Ses parents, qui respectent son indépendance, ne peuvent s'empêcher de lui donner des conseils. « N'oublie pas de te coiffer », lui dit sa mère, avant que Poché ne rencontre l'escargot Truc et le hérisson Pépin. Le temps passe. Et puis, un jour, Poché à son tour écrit à Pousse pour lui annoncer la fin de son deuil. Et le jour de son 111e anniversaire, car les tortues vivent très longtemps, parmi ses très nombreux petits-enfants, elle repère Bulle, qui lui ressemble beaucoup. Une histoire de rien du tout, pleine de tendresse et de justesse, remarquablement illustrée à la plume par Claude Ponty. Pour participer au concours Plume en herbe, remplissez le bulletin qui se trouve dans le numéro de Télérama Junior qui paraît cette semaine.